Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour récupérer le corps de mon défunt mari. Et qui est ton défunt mari? Igwe Ike Ozoromba. Il était mon mari. Non, tu mens, c'est mon mari. Tu ne peux pas venir ici pour créer cette honte. Ferme-la! Les gardes! Tu ne peux pas essayer. Je vais m'en chercher de toi. Fais gaffe! Oh, les filles. Bonjour. Je me demande s'il est déjà temps pour récupérer le corps. Quoi? Oui, les défunts Igwe Ozoromba. Alors... Maman? Maman? Non mais qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est quoi le problème, maman? Maman, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Maman? Sois forte, maman. Hein? Ça va passer. Allez. Apaise-toi, maman. Ça va passer, d'accord? S'il te plaît, arrête de pleurer. Ne pleure pas. Hein? Arrête, 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 maman. Bon sang, allez, hein? Arrête de pleurer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête s'il te plaît. Pourquoi? Oh non. Non.
Où est-ce que tu es, Igwe? Lolo, désolé. Désolé, hein? Nous souhaitons que tu prennes courage, Lolo. C'est une situation difficile à digérer. On est vraiment désolé. Désolé. Ce n'est pas possible. Oh oh. Igwe. Igwe. Oh, la tristesse. Mon cher, je suis de retour. Tu es ivre. Depuis quand est-ce que tu prends l'alcool? Depuis quand? Mon cher, cette blague prendra fin ce soir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parles-tu? Écoute, ne fais pas semblant. Attends, j'arrive. Maman? Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pardon, s'il te plaît. Non, mais pourquoi? Que signifie tout ceci? Je vais mettre fin à sa vie maintenant. Si cette femme ne nous dit pas qui est notre père. Noé, pas de cette façon, ok? Pose ce couteau à terre, on va résoudre ça. Ok, s'il te plaît, maman nous dira tout ce dont nous avons besoin d'écouter. Mais pardon, oui. Pose ce couteau. Sois loin de moi. Dégage d'ici. Je ne tolère plus ceci. Non, je ne peux pas. 28 ans déjà passés que cette femme nous a toujours déçus, disant que notre papa vit à l'étranger. Qui est cet homme qui n'a jamais songé vraiment de rentrer voir ses enfants? Je ne peux plus le tolérer. Chaque jour, j'ai toujours reçu les insultes de la part de mes amis en m'appelant un bâtard. Je ne le supporte plus. Quel mal que je l'ai refait! Frère, s'il te plaît. Non, tu n'es pas bâtard! Tu ne l'es pas! Non. Alors, où est notre papa? Maman, tu dois nous dire où se trouve notre papa. Dis-le-nous parce que ça devient embarrassant. Ce n'est plus normal, maman. Ben, non. Vas-y, dis-nous! Non. C'est Igwe que Osromba. Quoi? Le roi qui vient de mourir? Oui, oui, c'est lui. Non mais, oh mon Dieu, père. De quoi parlait-elle, hein? Désolé. Mon Dieu. Ça sont des photos qu'on avait pris pendant qu'on était ensemble. Toi, tu avais encore 12 ans. Sly, tu avais 6 mois. Lorsqu'on s'est séparés, 6 mois après que son père était mort, il devait partir pour le remplacer au trône. Je suis désolée, mes enfants. Pourquoi tu n'avais pas continué avec ton mariage, maman? Je ne pouvais pas rabaisser ma fierté. Pourquoi, maman? Pourquoi? Ne penses-tu pas qu'il a déjà créé une autre famille maintenant? Je crains que ce soit ainsi. Pourquoi, maman? Pourquoi ne nous as-tu rien dit depuis tous ces temps? Maintenant, qui croira que nous sommes ses vrais fils biologiques? Qui? Je suis désolée.
suis vraiment désolée, mes enfants. J'avais planifié vous dire la vérité avant même qu'il meure. Je ne savais pas qu'il allait mourir si subitement comme ça. Je ne savais pas que les choses allaient se dérouler comme ça. Je suis désolée. Alors, papa, Igwe Uzuna est mort. Oui, mon fils. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de laisser tout ce que tu fais en ville et de venir vivre ici. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Oui. Notre peuple dit, nous vendons les produits. Si seulement on a semé quelque chose dans les champs, c'est là qu'on récolte. Qu'est-ce que ça peut être? Le leadership de ce royaume. Ne voudrait-il pas être le prochain roi de ce royaume? Papa, je ne te comprends pas toujours. Bien. Tu sais, la fille de Igwe n'a pas droit au trône. Ça veut dire que tout celui qui va épouser la princesse deviendra automatiquement le prochain roi. Et je suis ton père. Je sais combien de fois tu es proche, toi et la princesse. Je veux que tu saisisses cette opportunité et demande-lui un mariage. Et si elle accepte de t'épouser, définitivement, tu deviens le roi. Ce n'est pas possible. Que le défunt roi n'aille pas de garçon, c'est bien. Et la royauté va se déplacer dans la famille de ses neveux. Ils ont le même sang. Ok, Onu est là pour prendre le royaume. Ce n'est pas vrai, mon fils. Onu n'a pas droit au royaume. Il est juste le demi-frère d'Uzuruma. Et le royaume est censé être dans la famille d'Uzuruma. C'est bien. Mais je ne vois pas la possibilité que je devienne le roi. Simplement parce que je me marie à la princesse. C'est tellement possible. Nous avons de l'expérience de comment diriger ce royaume. Et nous savons comment arranger les choses. Onu conspire d'avoir le trône. Mais il ne l'aura pas. Je ferai tout pour l'empêcher. Joue juste le jeu. Je sais que tu vas le faire. Princesse, tu dois juste te calmer. La mort soudaine de ton père n'est pas arrivée au bon moment. Il était une bonne personne et nous nous souviendrons toujours de lui pour ça. À jamais il vivra dans nos cœurs. Alors s'il te plaît, essaie de profiter de ce bon moment et arrête de pleurer, okay. D'accord? J'ai laissé tout ce que je faisais en ville pour venir compatir avec toi. Parce que s'il faut trouver du temps pour te prouver combien comment je m'inquiète pour toi, c'est si le bon moment. Alors s'il te plaît, n'hésite pas de m'appeler à tout moment que tu as besoin de moi. S'il te plaît, appelle-moi. Merci beaucoup, merci. Merci. Ok. Mon fils, s'il te plaît, je suis désolée pour toi de ne pas te dire où s'est trouvé ton père. Et je suis désolée d'avoir rien dit avant. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, je suis désolée, s'il te plaît. Écoute, maman,
Maman, tu dois l'accepter. Tu as fait vraiment une grosse erreur en gardant la vérité depuis tout ce temps. Pourquoi? Tu n'avais aucune raison de le faire. Tu ne pourras jamais réaliser dans quel pétrin tu nous as mis. Tu ne pourras jamais réaliser ça. Jamais. Je te pardonnerai. Au moins au moment où tu vas nous amener dans la famille de papa et leur dire toute la vérité. Et s'ils nous acceptent? Je promets que je vais le faire, s'il te plaît. Madame, voici la clé. Alors, prenez la droite. Ok. Alors, pour mes bagages? L'agent de sécurité vous les fera parvenir. Merci beaucoup. Allez, Junior, allons-y. Oui, bébé, nous allons bien. Peux-tu te calmer? C'est le bruit de l'amour, quoi. Ok, allez, vas-y, c'est pas un problème. Oh oui, l'endroit est merveilleux. En tout cas, c'est pas mal du tout. Oui. Nous sommes dans l'hôtel que tu nous avais réservé. Oui, chambre à 1 ou 6. Oui, quelque chose comme ça. Et que Junior va bien, on est là avec lui. Ok, et que Junior, petit dur, salut. Salut. Tu l'as entendu? Ok, alors dis-moi s'il te plaît, quand est-ce que tu viens? Ouais. Oh bébé, arrête. Pourquoi pas aujourd'hui? Oh. Ok. Non, il va bien. Il va s'habituer. Pas de problème. Ok. je le ferai. T'inquiète. Bye. Allez, viens ici. Donne-moi ta main. Bienvenue dans la vie de ton père. Femme, je pense que je ne sais absolument rien de ce que tu dis. Il n'y a aucunement moyen que le roi puisse avoir une femme et deux enfants quelque part sans l'avoir confié à quelqu'un d'autre. Hein? Quand il lui arrivait de faire quelque chose en secret, Igwe prenait toujours son temps de m'en parler, moi son nom ou sa main droite, son plus grand ami. Si tel n'est pas le cas, il le faisait à sa femme ici. Lolo, sa femme, y a-t-il eu une fois que le Igwe t'a parlé de cette situation? Bien sûr que non, Onoo. Il ne m'a jamais dit ça. Et comment tu peux venir nous faire croire que Igwe a eu deux enfants avec toi? Onoo, je te juste dis la vérité. Il était mon mari légal. Et ces deux garçons sont ses enfants. Ils sont ses fils biologiques. Et j'ai toutes mes preuves. Le certificat de mariage et tout ce qui va avec. Ne nous amène pas sur ce stade. N'ose même pas y aller. Parce que ces documents peuvent être faux. Les signatures peuvent être imitées. Il est vrai que Igwe était en train de chercher un successeur, mais cela ne te donne pas la capacité de sortir de nulle part. Nous laissons croire que Igwe a deux fils avec toi. C'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Ah! Oh non, les anciens.
Retirons-nous un peu pour parler. Cette femme est vraiment mal à boîte. D'un moment à un autre. Non, il ne peut pas nous décevoir. Igwe est un homme intègre. Hein? Tu sors de nulle part pour nous dire qu'il a des enfants. Ça ne marchera pas, je te l'assure. Quelle information surprise! Il n'y avait rien que du mensonge de tout ce qu'elle parlait. Elle est venue réclamer ce qu'elle n'a pas le droit. Exactement. Exactement. Hein? Voilà pourquoi j'essayais d'éveiller votre attention. Elle ment. Rien que du mensonge. Ne soyons pas si pressés. Cette histoire doit être bien traitée. Exactement. C'est pourquoi même, je nous ai tous fait sortir ici. Afin d'essayer de réfléchir profondément à ces problèmes. Avec ce que j'ai vu plus loin, je crois que cette femme disait la vérité. Mais mettons-nous et essayons de... Essayons quoi, Ichi? Essayons de faire quoi? Il n'y avait pas la vérité dans ce qu'elle disait. Pas du tout. Oublions les certificats, aussi les photos qu'elle était venue avec. Ce sont des choses fabriquées de toutes pièces. Oh non. As-tu dit que le Igwe ne t'a rien dit sans aucune raison? Igwe ne l'a pas fait. Cette femme ne fait qu'en compter du mensonge. Comment est-ce que Igwe pouvait avoir deux garçons sans me dire moi sa main? Ce n'est pas normal. Vous y croyez? Comment est-ce possible? Il est vrai qu'il était en train de chercher un successeur au trône. Mais ça ne pouvait pas être de manière sournoise. Il en est hors de question. Donc ce que tu es en train de raconter n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer. Ce n'est pas possible. Hein? Hey! Igwe était intègre. Ce n'était pas quelqu'un facile à des banalités. Je le répète, Igwe était intègre. Hein? Igwe est un homme franc et honnête. Madame, vous devez partir avec vos enfants pour nous permettre de mener les enquêtes au sujet de vos réclamations. Nous allons vous revenir aussi tôt que possible, ok? La personne dont on parle ici est quelqu'un de très influent. Il a vraiment impacté dans la société. Et ce qu'il faut retenir, il est le roi de ce royaume. Et il a laissé beaucoup de biens avant de mourir. Oui, il me l'a dit. J'ai aussi appris qu'il n'a pas laissé d'héritier. Alors, apprête-toi à devenir la mère du prochain roi. T'es sûr que ça va se faire? Bébé, c'est très possible. Parce que tu as un enfant de lui. Sa femme n'a jamais eu d'enfant avec lui. Alors, apprête-toi de devenir reine. Tu sais, c'est ça les problèmes. C'est vraiment ça. Junior est trop petit pour devenir roi. C'est pas un problème. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre peut être à sa place pendant qu'il va commencer à grandir. Tu allais être inquiétant si ta relation n'était pas du tout légitime avec lui. Mais tu me l'as confirmé que c'est légitime. Bien sûr que ça l'est. Nous avons du bien en commun. Et beaucoup d'investissements qu'il a à Londres, c'est au nom de mon fils. Et aussi, c'est lui qui a donné à mon fils son nom. Et que j'ignore Sibylis. Ma chère, tu es vraiment une femme très chanceuse. Ah, bébé, écoute, hein, tu n'as qu'à préparer ta tête, parce que ça ne sera pas du tout facile pour toi. Surtout qu'il n'est pas là pour clarifier les choses, à moins qu'il le dise à quelqu'un d'autre avant qu'il ne puisse mourir. Eh bien, nous allons bien nous préparer pour ne rien louper. C'est ça. En tout cas, je suis très heureuse pour toi. Cela n'arrivera jamais.
et surtout quand je suis en vie. D'autres gens n'ont jamais eu honte. Du fait qu'elle a cédé garçon, cela ne veut pas dire que venir de nulle part et réclamer ses droits. Cela n'arrivera pas. Et même si les chiefs ne seront pas à mesure de le changer. Ma chérie, mais reste calme. Ce n'est pas la fin du monde. Chioma, tu ne peux pas être trop sûre concernant cette affaire. Ces garçons ne mettront pas leurs pieds dans cette maison. Ils ne mettront pas leurs pieds dans la maison de mon mari. Jamais. Mais que dis-tu exactement? Ce que je dis, c'est qu'en effet, cette affaire ne doit pas être prise en considération. Cette affaire ne peut pas faire perdre notre temps précieux. Cette femme et ses enfants ne peuvent qu'aller vivre leur vie ailleurs. Oui. Comment savons-nous? Ce n'est pas possible pour une femme de venir de nulle part avec une telle réclamation. Si rien ne s'était passé entre elle et notre défunt roi. C'est possible. C'est vraiment possible. Mais je crois que tu ne sais à quel point je suis désespéré et abattu. Mais elles ne doivent pas être portées par de fausses accusations. Déjà au niveau supérieur de notre grand royaume. Achagou, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pourquoi tu ne suis pas l'idée de Ono? Ichi et Sele, c'est vraiment possible. Spécialement comme Igwe n'est plus en vie de se défendre de lui-même. Je m'en fous de tous vos plans que vous êtes en train de faire. Et je suis ici pour vous dire que je ne suis pas prête pour accepter n'importe qui dans la maison de mon mari. Que ce soit au nom du mari de la femme ou de ses enfants, ça ne sera pas possible dans ma maison. Alors si vous connaissez les montants qu'ils vous ont donnés pour les aider à accomplir leurs stupides désirs, remettez-les cet argent. Parce que cela n'arrivera pas dans la maison de mon mari. Ça, ce n'est pas une blague, mais une forte décision. Lalo, Lalo, reviens. Lalo, reviens ici, laisse-moi te dire. Lalo, reviens, reviens, je vais te dire. Oh, Igwe, pourquoi tu nous as laissés dans cette situation? Igwe, tu nous as laissés dans le pétrin. Je ne crois pas qu'il a fallu que je revienne pour que mon père me le dise. Je veux dire, ce n'est pas possible. C'est très clair que ces gens réclament cette paternité, simplement parce que le roi n'avait pas un fils. Mon amour, écoute, je ne sais pas pourquoi tu te fâches pour ça. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire à propos de ça. Je ne sais pas. Oh, tu dois faire quelque chose à propos de ça. Tu dois faire quelque chose. Bien, je croise mes doigts jusqu'à ce que les anciens décident. Maman, demain de la grande matinée, nous ferons nos valises pour aller rester au palais. Nous ne pouvons pas rester éternellement ici. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ce qu'on va faire. Nous serons là déjà demain dans la grande matinée. Cela ne nous laisse aucun choix. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils nous ont demandé de leur donner un peu de temps. Un peu de temps? Oui. Mais le temps, c'est de l'argent. Ça peut arriver à 10 ans. Ou ça peut aller à une autre génération. Quand sera le moment? Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, mes enfants. Essayez d'être patient, s'il vous plaît. Patientez? Maman, pendant 28 ans de bonnes années que nous avions pu patienter, nous ne pouvons pas nous entendre qu'il y a quelque chose de bon de nos décisions-là. Nous avons pris déjà la décision. C'est celle qui sera appliquée. Que faites-vous ici? Tu veux savoir ce que nous sommes venus faire à la maison de notre père? Ah, mais nous sommes venus rester chez nous. S'il vous plaît, amène-nous dans notre chambre. Nous vous en prions. Des gardes. Oui, majesté. Appelez-moi Ono maintenant. D'accord, faites majesté. Vite. Jeunes hommes, que signifie tout ceci?
Je crois que nous vous avions demandé de nous donner du temps de résoudre tous ces problèmes sans inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu avais dit quelque chose de ce genre. Mais nous n'avons plus de temps à donner à quelqu'un. Je crois que notre maman vous avait présenté toutes les preuves que vous avez besoin. Cependant, vous avez décidé de faire votre propre enquête. Nous ne sommes pas contre cela. Ce que nous demandons est que pendant que les enquêtes sont encore en cours, laissez-nous vivre dans la maison de notre père. C'est tout. De quel père parles-tu exactement? Le roi Ike Durumba, notre père. C'est quelle bêtise. Ok. À supposer que les résultats de ces enquêtes étaient négatifs, qu'est-ce qui vient après? Nous allons l'accepter facilement et nous allons sortir de cette maison. Tu ne peux pas croire ça. Tu veux dire que ces gens, on leur a donné un appartement au palais? Oui, mon fils. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont les succéder. Papa, tu ne comprends pas. Pas tant qu'ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont entrés dans le palais. Mais ils sont toujours des étrangers. Nous savons ce que nous devons faire. Ils sont toujours étrangers jusqu'à ce qu'ils vont l'approuver. Et cette possibilité est très très difficile. Papa, tu ne comprends pas. Je dis ceci. Il ne fallait pas que vous les laissiez entrer au palais en premier lieu. Mais vous ne connaissez pas encore Vété. Vous n'avez rien clarifié. Seul Dieu sait ce qu'ils veulent faire. Nous savons ce que nous devons faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein? Ne t'inquiète pas. Nous savons ce que nous devons faire. J'y suis sûr. Oh, voilà. Ouh. Ouh, mon frère, nous sommes arrivés. Oui. Nous n'allons pas y retourner. Oui. Ils peuvent continuer avec leur enquête. Nous, on s'en fout. Ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes dans la maison de notre père. Et personne ne peut nous faire sortir d'ici. Oui, frère, oui. Tu sais que la vérité dans toute cette affaire, c'est que nous avions gagné. Nous ne leur laisserons aucun choix. Je crois que c'est nous qui avions gagné cette partie. À ta santé, mon frère. À la santé. Ouh. Ah! Tu sais, la prochaine étape est celle de savoir comment nous allons maîtriser la reine et sa fille. Nous devons gagner leur amour ainsi que le respect. Oh, bon sang! Pourquoi est-ce que ça te dérange? Elles peuvent rester mes ennemis à vie et je m'en fous d'être là. Non, mon frère, tu n'as pas raison de le faire. Non. Ce que tu peux maintenant chercher, c'est gagner leur amour. Nous sommes devenus une grande famille maintenant. Quand est-ce que maman sera ici? Je crois que c'est de ça qu'on doit parler. Parler maintenant, non? Demain. Prions qu'elle accepte de rester ici. Mais en tout cas, nous devons être humbles. Toi, vraiment. Oh, mon frère. Oui, bébé. Dans des heures? Ok, je t'attends. Oui, je suis prête. Ok. Tu as dit que tu t'appelles Ellen George, la fille de William George. C'est grand homme d'affaires vivant en Londres et originaire de Nobi, un de nos états. Oui. Et avec Igwe. Et tu as eu un fils avec Igwe Nzomba. Exactement. Avez-vous eu cet enfant en dehors du mariage? Oh non. Nous étions mariés quand il était venu à Londres. Je me souviens même de ton visage parce qu'il était venu avec toi en Angleterre. Tu te souviens pas? Je t'ai déjà vu une fois. Et le défunt Igwe, mon mari, il avait promis de me donner la moitié de ses biens si jamais je lui donnais un fils. Et c'est simplement parce qu'à ce temps-là, il était désespéré et il avait besoin d'avoir un fils.
Et le problème est qu'il n'a pas pu réaliser sa promesse avant qu'il ne meure. Est-ce qu'il t'avait dit qu'il avait deux familles ici au Nigeria? Deux familles? Oh, s'il te plaît, il m'a dit qu'il avait une famille, je ne sais plus combien. Alors, comment est-ce que tu as accepté sa proposition alors que tu savais qu'il avait une famille? Écoute, tu n'as pas le droit de me parler. Quels sont ces genres d'insultes? Et maintenant, écoutez-moi, tout le monde. Si cela est votre plan, qu'on partage tout ce que notre père a laissé pour nous, cela ne marchera pas. Juste par hasard, ces deux mendiants sont en Paris de nulle part. Quoi? Vous nous présentez celle-là. C'est évident que vous êtes tous contre cette famille, mais je vous promets que cela ne marchera pas. Attends. Jamais. Tu viens de m'appeler un mendiant? Je pense que cette fille Allez, est anormale. Calme-toi. La plupart d'entre nous sommes ici pour la vérité. Pourquoi est-ce que la honte devrait revenir sur ceux qui essayent de protéger leurs intérêts? Imaginez les genres d'insultes. Elle l'a porté sur nous. Hey Jay, tu peux y croire? C'est juste une petite fille qui ne connaît pas sa gauche de sa droite. C'est pourquoi nous devons ignorer cela. La seule chose que nous ne devons pas échouer de faire, c'est de connaître la racine de ce problème. La racine de quel problème? Je te demande la racine de quel problème. Qu'est-ce qui t'assure qu'ils sont en train de dire vrai? Laisse-moi te rappeler, elle doit être une des filles qui ont quitté notre pays pour faire la prostitution ailleurs. Oui, et le fils et dont nous sommes en train de parler d'un produit de la prostitution. Nous ne pouvons pas se mettre et chercher à donner pouvoir à un bâtard ou à quelqu'un jumeau que nous venons de rencontrer après un moment. Ça ne marchera pas. Oh non, je crois que je ne suis pas d'accord avec toi. Comment? Tu étais si proche au Igwe. Et tu sais très bien qu'une de ses faiblesses était les femmes. Je crois que cette dame serait en train de dire la vérité. C'est de cette tigre que vous parlez. Hein, vraiment, n'avez-vous pas froid aux yeux quand vous dites ça? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune particule de la vérité dans leurs propos. Rien du tout. Rien du tout. Nous ne pouvons pas aller vite à la conclusion. Il ferait mieux de faire quelque chose pour apporter de la lumière dans ces problèmes. Je crois avoir bien connu cet homme. Nous devons arriver à la vérité. C'est là que nous devons arriver. Notre Igwe était tout sauf pervers. Nayono. Ndeche. Mes enfants n'iront pas faire le test d'ADN. C'est convenu. Mon mari avait toujours cette envie d'être avec les femmes. Pas jusqu'au point de coucher avec les putes. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Pas jusqu'à ce niveau. Et tu parles de qui ici? Toi, bien sûr. C'est toi le sujet. Excuse-moi avec beaucoup de respect que j'ai pour toi. J'ai beaucoup entendu parler de toi et là maintenant j'en ai assez. Comment oses-tu? Comment tu peux parler à ma maman de la sorte? Un bon à rien, comment oses-tu? Comment tu peux parler à ma maman de la sorte? Veux-tu que je te donne une leçon maintenant? N'importe quoi, répète-la la prochaine. Je me fous complètement d'elle, ok? N'ose pas parler à ma grande sœur de la sorte. Sale pute. Tu t'enflammes comme ça parce que j'ai touché à ta maman, chérie, c'est ça, non? Les anciens, écoutez-moi. Au nom des dieux et au nom de tout ce qui vous est le plus cher, dites à vos filles d'arrêter de m'insulter. Si elle ose encore m'appeler par ce nom, elle verra de quel bois je m'échauffe. Si elle t'appelle par ce nom, que vas-tu donc faire? Non, mais tu n'as pas honte, toi. Est-ce que tu le sais? Tu es la seule qui n'a pas un fils du roi. C'est pourquoi il est venu vers moi pour lui donner un fils. Quelque chose que tu n'as pas pu faire pour lui. Et te voilà en train de nous parler. Tu m'as très bien entendu.
Mais pour qui est-ce que tu verras? Tu penses que tu verras ce que je te ferai? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ça? Arrêtez, arrêtez. Non, ça ne vous battez pas, s'il vous plaît. Arrêtez. S'il vous plaît, vous êtes le premier voyage. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Non, 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 pas ça, pas ça. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Igwe, à moi la barumere. Igwe, à moi la barumere. Cette affaire devient beaucoup plus sérieuse que je ne l'espérais. Et tous ces gens, comment est-ce qu'ils ont pu découvrir que Igwe vivait ici? Je pensais que... Je ferai tout pour leur empêcher de réussir. Ils ne réussiront jamais. Jamais. Igwe Mwara Barumere. Ichi Achebe, j'ai déjà donné mon point de vue. Et ma décision est comme telle. Mes enfants n'iront pas faire le test d'ADN avec n'importe qui. Mais c'est pourquoi même? S'il vous plaît, ma reine, je vous prie sincèrement de s'il vous plaît voir la raison avec nous. Ceci est un problème très sérieux qui demande d'être résolu. Et la seule manière de résoudre, c'est de faire un test ADN. Et c'est pour éclaircir la paternité de ses enfants. Mais je vais vous promettre, si à la fin de la journée, nous ne sommes pas satisfaits des résultats, nous les hauts responsables, nous allons continuer à faire des recherches à notre manière. S'il vous plaît. Mais Ichi, comment est-ce possible pour mon père d'avoir une autre famille et la garder lui-même jusqu'à sa mort? Ma princesse, beaucoup de choses peuvent conduire à ça. Mais ma reine, je ne sais pas si vous êtes la dernière personne qui avait vu Igwe se couchant sur son lit avant qu'il ne meure. Non. C'était Ono. Mais Ono a dit qu'il n'a jamais mentionné quelque chose de pareil. Et c'est pourquoi nous essayons d'éclaircir les choses à notre manière. Laissez que ça ne soit pas comme si nous sommes en train directement de rejeter le sang de Igwe. Le Dieu ne va pas nous pardonner. S'il vous plaît, ma reine, juste pour le profit de cette famille, s'il vous plaît, pardon. Les résultats du test d'ADN sont là. Ok, écoutons-les. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il y a bien des liens de compatibilité. Ils sont ses enfants. Mensonge. Oh, maman. Ils ne peuvent pas être mes frères. Ils ne peuvent pas être mes frères. Princesse, calmez-vous, calmez-vous. Nous devons essayer d'éclaircir toutes les ombres. S'il vous plaît, docteur, merci. J'irai reporter ces messages aux anciens du conseil qui m'ont délégué à cette réunion. Merci. Aucun monde ne tient de l'un de moi. Vous ne pouvez pas dire que je vais vader pas vous faire abonner bien. Les grands dieux de la terre essayent d'apporter lumière à ce problème. Cette situation doit finir aujourd'hui et son sang coule dans leurs veines. Ils sont tous ses enfants. Oui, tous ses enfants. Grand maître, tu es sûr de ce que tu nous dis? Pourquoi es-tu en train de questionner la sagesse de Dieu? Fais attention.
Grand maître, nous t'avons écouté. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Ceci est une déception. Papa, qu'est-ce que c'est? Tu es celui qui m'a fourré dans cette affaire. Et maintenant, tu veux m'abandonner au milieu du chemin. Papa, tu es celui qui m'a inclus dans ça. Tu m'as demandé de laisser ce que je fais en ville pour que je vienne vivre ici au village pour prendre ce qui m'appartient. Mais écoute ce que tu me dis maintenant. C'est pour bientôt, mon fils. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Les choses ont pris une nouvelle tournure. Les gens qu'on pensait être des imposteurs, alors ils sont des vrais fils des Hydres. Les choses sont devenues différentes. Papa, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Et la vérité c'est que tu as perdu. Et je pense qu'à partir de maintenant, je prends contrôle de ces problèmes et je vais les gérer de la manière dont il faut. Mon fils, reste loin de tout ce qui a trait au leadership de ce royaume. Je t'interdis. Reste loin. Tibike, Tibike, je suis en train de crier pour que tu entendes ma voix. Donc ça veut dire que vous leur avez permis d'entrer dans ces palais comme des membres de la famille royale? Ah, je te disais... Bon, c'est ce que tu as vu, hein? Non, non! Mais pourquoi est-ce que ton chef se permet de suivre une telle déclaration? Ce n'est pas bien. Qui est-il encore, ce garçon? Donc ce sont les deux profiteurs. Qu'est-ce que tu dis? Calme-toi. Alors ma chérie, ça c'est la vraie histoire. Honnêtement, je dois admettre que c'était pas un trajet facile. Je t'avais bien dit. Je suis contente pour ta réussite. Oui, merci beaucoup. Ces autres gens, as-tu cru en leur histoire? Un peu oui. Je veux dire, il y a un peu de vérité sur tout ce qu'ils ont dit. Mais tu vois, je vais pas quand même l'accepter comme ça, non? Tu sais, tu vois ici, c'est comme une course. Ok, c'est comme dans la jungle, c'est comme une compétition. Et il y a un seul qui doit gagner. Et je sais que je dois gagner. Bien sûr que tu peux avoir raison, ma chérie, mais dans ce genre de situation, la défense est la meilleure chose à faire. Vraiment? Je te saisis pas là. Ok, écoute. Mon fils, ton frère est le premier fils de tous les enfants de votre père. Ce trône lui appartient. Et ça, personne ne peut le contredire ici. Je veux que tu fasses de tout ton possible pour que ton frère monte sur le trône. C'est compris, maman. Merci, mon fils. Je ne laisserai jamais l'héritage de notre père s'envoler. C'est une promesse. Merci, mon fils. Très bien. J'aime ça. Maman, penses-tu pas qu'il y a un autre moyen pour trouver la solution dans tout ceci? Comment? Invitons l'avocat Williams pour lire le testament de tout celui qui est concerné. À partir de cela, nous saurons s'ils sont de vrais enfants de notre père. Honnêtement, j'avais aussi pensé à ça. Mais le problème est que l'avocat est hors du pays, ça fait un temps maintenant. Et le chief
ne vont pas l'accepter. Parce qu'ils vont vouloir d'abord que le corps de votre père soit enterré. Et que toutes les cérémonies du deuil s'effacent d'abord, avant. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si à la fin, ces enfants ne sont pas de notre famille? Cela veut dire qu'ils ne sont rien d'autre que des imposteurs. Et ils devraient retourner d'où ils viennent. Rien d'autre. Oh, oui. Igwe, Awuana Balomele. Igwe, Awuana Balomele. Ichi vient de tout gâcher. Absolument tout. Attends. Je peux toujours tourner cette situation à mon avantage. À moins que je me fasse un peu d'argent. Oui. Oui, je peux. C'est possible. Entrez. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. C'était quoi encore ton nom? Oloma. Oloma, oui. Comment? Ce sont des perles que mon voyait venir vous donner. Oh oui, viens me la montrer. Oh, j'aime ça. Tout ça? Oui. J'espère que vous avez aimé. Oui, merci. Ok, je commence à partir. Encore une chose. J'aimerais encore te revoir, ok? Alors, tu vas encore revenir ici dès que possible. Oui, Sa Majesté. D'accord, c'est bon. Oui, tu vois, ce que j'essaye de t'expliquer en effet, c'est que nous ne pouvons jamais voir comme si tout est fini. Ou penser que nous avons perdu, non. Mais la bataille ne fait que commencer. Il y a beaucoup de gens là dehors qui se préparent à prendre ce qui t'appartient. Donc si vous baissez la garde, ils vous gagneront. Oncle, vous pouvez quand même aider. Non, mais bien sûr, je peux vous aider. Mais le seul que je suis venu, c'est vous faire savoir que je peux toutefois le faire. Ok. Mais n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait entrer au palais sans problème. Et je peux vous aider aussi à accéder au trône. Si seulement l'argent est utilisé pour essayer d'endormir toutes les mauvaises langues, tu accéderas au trône. Tu vois un peu? Tu veux dire... Tu me demandes de l'argent avant que j'accède au trône? Bien sûr que oui. Où est le mal dans ça? Est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça sans argent? Ce n'est pas normal. Faut l'argent. Jamais. Hein? J'ai dit jamais. Je ne peux pas donner l'argent pour avoir l'accès au trône. Le trône qui m'appartient des droits. C'est le trône de mon père et je dois le récupérer. Pas jusqu'à ce que je le décide. Et qui es-tu? Je suis l'Onou. Onou est mes jouets Kapu. Je suis celui qui pacifie tout le royaume. Et personne n'accède au trône sans mon entérinement. Écoute, je peux rendre ta vie difficile, pire que le mirage. Personne ne peut m'empêcher d'accéder au trône. Et c'est ce que tu dis? C'est clair comme l'eau de la source. Non, mais écoute, on verra. Je te dis qu'on verra. Iguawala Balumere. Iguayanu Hala Balumere.
Tu es là? Oui, Sa Majesté. Bien. Prends ça. C'est pourquoi, Sa Majesté? Alors, tu n'as pas de besoin? Ne t'inquiète pas. J'ai mes manières. Allez, viens et prends-le. Vas-y. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci, je vous en prie. Tu peux t'en servir. Tu as été exceptionnellement bon envers moi et mon fils, contrairement à tout le reste de ces palais. Et je l'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je crois que nous ferons une très bonne équipe, moi et toi. Je veux que tu sois mon œil dans ces palais. Tu dois savoir que toi, tu es mes oreilles et mes yeux dans ces palais. Alors, tu dois être à l'écoute de tout ce qui se passe et prendre soin d'avoir toutes les informations de ce qui se passe ici. Et après, tu dois tout me les apporter. Je sais que tu peux très bien le faire. Uluma, s'il te plaît, fais-le pour moi. Et moi, je vais te récompenser, toi et ta famille. Pense-y. Je suis sûre que tu peux le faire. Nayono. Oui. Pour la promesse que tu m'avais faite, celle de te rassurer que ces gens quittent ce palais, prends ce chèque de 5 millions de Naira. Et lorsque cela va se faire, je n'ai pas besoin de te dire ce qui va arriver. Ma superbe mignonne reine. Lolo Kembo. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Vous savez, il y a eu une chose qui se passe avec moi. Je n'aime surtout pas chanter mon triomphe. J'ai toujours voulu que mes œuvres parlent à ma place. Et en se jetant sur cet os, tu peux maintenant envisager comment tu peux enterrer l'âge de la guerre. Oui. Tu vois tous tes ennemis ici au palais. Commenceront à fuir d'eux-mêmes. Ils ne vont non seulement commencer à fuir d'eux-mêmes, mais aussi avec leurs affaires. Okenozo Inewon. C'est ce qui va se passer. Oh, et ça c'est bien. Ça c'est merveilleux. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. D'accord? Merci. Oh, vous devez commencer maintenant à vous balader dans mon royaume. Voyons, mais vous devez quand même rentrer d'où vous venez. Oh non, 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 non. Laissez-moi vous conseiller, ce serait mieux de rentrer où vous étiez, sinon le dieu de cette terre va vous décapiter. S'il vous plaît, rentrez, rentrez. Viens avec moi. Non, 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 tu veux me frapper, c'est ça? Non, 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 vous ferez mieux de rentrer où vous étiez, ok? Vous êtes de bons garçons, d'accord? Des bons garçons, vous feriez mieux de rentrer. Des bons garçons, entrez, entrez, entrez.
toi, enfoiré. Descends. Dehors. Sors d'ici. Sors. Sors. Ouvre cette portière. Ouvre-la. Entre, vite. Entre, entre. Qu'est-ce que je fais? Posez ta tête. Alors, tais-toi. Tu vas vraiment te mettre à terre. Tu vas rejoindre tes ancêtres rapidement. Tais-toi. Quelle bêtise! Hé, hey, tu es fou! Hein? Quitte de là, quitte! Bouge, bouge, bouge! Va-t'en, 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 va-t'en! Maman! Non mais, maman. Sors d'ici, sors! Maman! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Il m'a frappé! Tu as tapé mon fils? Je l'ai frappé! Pourquoi? Parce que tu as échoué à ta responsabilité en tant que mère de prendre soin de ton fils! Vraiment? Et tu as laissé ton fils vagabonder dans tout le palais jusqu'au point de venir souiller le trône de mon père. Oh, les trônes de ton père? Oui. Écoute, c'est les trônes de son père. Et toi, qui es-tu? Le garde du trône? Arrête de faire du bruit ici comme si tu étais le prince parce que tu ne l'es pas. Je sais exactement qui tu es. Et ne me pousse pas à t'exposer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas le regretter. Je veux dire, si vous étiez réellement le fils du roi, il n'allait pas venir vers moi pour me demander de lui faire un fils. Tu penses vraiment que c'est un cycle? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne te condamne pas. Tu n'es rien d'autre qu'une citoche. Une femme comme toi arrive à s'abandonner entre les mains d'un homme marié. Oh, fils. Je crois que ma prostitution me donne toujours ce que je veux. Retiens très bien. Je suis désolé pour toi. Mais je te préviens. Viens, mon fils. Garde ton enfant loin du trône. Garde-le très loin du trône. Tu as vu ce trône? C'est à lui. Que ça revient. Attends, tu le verras. C'est bon, continuez de rêver. traînez. Hé, les anciens, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai un problème. Mon fils est perdu au... Duo, mon fils, il n'est pas rentré au... Calme-toi, calme-toi. Ichéifo, qu'est-ce que tu veux dire par ton fils est perdu? Où était-il parti? C'est depuis hier qu'il avait quitté la maison. Et jusqu'à présent, il n'est pas encore rentré. Il était allé visiter un ami, jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Aïe, je suis allé même chez son ami, et il a dit qu'il n'était pas venu chez lui. Aïe... Ça devient sérieux. Mais calme-toi. As-tu déjà contacté la police? C'est bien lui qui appelle. C'est lui. Un instant. Allô? Parle. Papa. Papa. Allô? Chiwikem. Chiwikem. Tu vas bien? Hey papa, ils ont dit que tu venais immédiatement derrière l'école primaire communauté. Derrière les bâtiments de l'école. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Que je vienne tout de suite? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chibikim. Chibikim. Oh. Il a dit que je parte là-bas tout de suite. Il est derrière les bâtiments de l'école primaire. La façon dont j'ai capté sa voix, ça demande immédiatement ma présence. Oui, allons-y dans ce cas. Regarde-toi. Regarde comment tu pleures. Tu es un petit, ça.
Tais-toi, tais-toi. Arrête de manger n'importe quoi. Et quand tu te mettais à m'insulter et sortais des bêtises de ta bouche, ne savais-tu pas que des choses allaient t'arriver? Quand tu posais des actes stupides vis-à-vis de moi, n'en pesais-tu pas les conséquences? Tu rejoindras tes ancêtres aujourd'hui, d'accord? Malheureusement, ton père n'en fera pas avec toi, d'accord? Tu vas rester pourri ici. Comme ça, dans ta prochaine vie, tu apprends à respecter la lignée royale. Mon fils, je t'interdisais de rester loin de ces garçons. Mais tu ne me croyais pas. Maintenant, ils t'ont tué. Ils ont tué mon fils. Ils l'ont tué. Qui ont fait ça? Qui d'autre? Si ce n'est pas ces criminels qui s'appellent eux-mêmes fils de Igwe. Ils sont responsables de la mort de mon fils. S'il te plaît, ne le dis à personne, que personne ne l'entende. S'il te plaît. Ichi Eloka, je crierai. Comment je ne peux pas le citer? Ce sont eux qui ont tué mon fils. Tu connais bien ces garçons. Ne les pousse pas à nous créer des ennuis. Hein? Ils ont tué mon fils. Ils ont assassiné mon fils et ils ne peuvent pas le nier. Bébé, lui c'est Amo, le gars que je t'avais promis de te le présenter. Ce garçon est très bon. Je ne peux pas chanter en sa présence. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce gars est très bon. T'es sûre de lui? Bien sûr que oui. Ah, écoute-moi, les gars dont j'ai besoin, hein, tu vois, j'ai besoin d'un gars fort, non, qu'il soit pas seulement un gentleman, qu'il soit un gangster, et non un petit. Tu vois ce qui s'est passé avec ce qu'on a vu l'autre fois, hein? Je commençais à le suspecter, alors j'ai besoin de quelqu'un que... Hein, je sais exactement ce que tu veux, voilà pourquoi je l'ai emmené. Aie confiance en moi. Ce garçon est très dangereux, je te dis. Il a travaillé pour beaucoup de gens dans ce pays. Madame, je ne suis pas un homme de nature à beaucoup parler. Je crois que les œuvres parlent mieux que la parole. Contactez-moi quand vous aurez pris une décision. Vous pouvez le faire au travers de votre ami. Allez, d'où viens-tu comme ça? De la chambre de Sa Majesté, pourquoi tu demandes? Écoute-moi, la nouvelle Sa Majesté m'a demandé tout ce qui se passe dans ce palais. Alors nous devons faire trop attention. Elle cherche à savoir tout ce qui se passe ici. Alors nous ne devons pas lui dire tout. Tu dois vraiment être prudente. Fais attention, je t'en supplie. Sois vraiment prudente. Elle ne doit pas quand même tout connaître. Je t'en supplie, sois prudente. Je te comprends très bien. Mais comme tu peux le voir, je fais juste mon travail. De toutes les façons, merci beaucoup. J'ai été délégué par les autres anciens pour formellement vous annoncer que monsieur l'avocat Filien nous avait appelé au téléphone pour nous dire qu'il est arrivé au pays et qu'il sera là dans 2 jours pour lire les testaments de notre défunt roi. Alors s'il vous plaît, faites tout pour être présente avec vos enfants. S'il vous plaît. Merci Ichi. D'accord. Tu as très bien parlé pour notre cause. Merci énormément.
Non. Ok. S'il te plaît, ma princesse, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, ma princesse. Va juste à l'intérieur, s'il te plaît, et prends tes affaires. Va hors de cette maison. S'il te plaît, ma princesse, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne me mets pas dehors, s'il te plaît. Essaie un peu de te regarder, toi, là. Nous t'avons ramassé, on t'a donné le travail. Juste à cause d'une personne qui vient de nulle part. Tu lui as donné toute ton attention, en croyant que tu vas nous détruire, n'est-ce pas? Ah, s'il te plaît, va-t'en. N'importe quoi. Hé, hey, n'essaye pas de me toucher. Tu es une bonne arrière folle. Oloma. Oloma. Après tout ce que j'ai fait... Vas-y. Elle est encore ici. Qu'est-ce que tu continues à faire ici? Vas-y, va-t'en. Petite fille. Disparais de mes yeux, vas-y. Disparais, dégage. Idiote. Bonjour, comment tu vas? Je veux bien, j'ai un message. Message? Oui. Pour qui? Ouvrez la lettre. Pour moi? Ok. D'accord. Ma chère Oloma, comment tu vas aujourd'hui? On t'a renvoyé du palais à mon insu. Si je le savais, je n'allais pas le permettre. Si tu es toujours intéressée à travailler au palais... Viens me voir, nous allons discuter à propos de ça. Comme ça, nous allons aussi discuter de la rémunération. Et surtout les conditions de travail. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merci Seigneur! Merci mon Dieu! Ah mon Dieu, merci mon Seigneur! Merci mon Dieu! Bonsoir tout le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. Mon véhicule était tombé en panne et je devrais trouver un mécanicien pour le réparer. Ok, nous te la gardons. Alors, prends place. Allons très rapidement avec les affaires. Bienvenue. Merci. Hey! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, le testament. Qu'est-ce qui est arrivé au testament? Je ne le retrouve pas. Quoi? Tu ne retrouves pas quoi? Maître, c'est une blague? La copie du testament en ta possession, tu dis que tu ne le trouves pas. Non, je ne comprends pas. Bon, tu dois d'abord recommencer. Dis-nous que ce n'est pas vrai. Hein? Igua moro baramire. Igua noro baramire. Igua noro baramire. Très bien. C'est bien. Oh là là. Merci. Maintenant, dis-moi comment tu as procédé. Bien, j'ai dû jouer sur son intelligence. Mm-hmm. Bien, je l'ai vu entrer à la cour. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il sorte de là. Puis, je l'avais suivi jusqu'à l'endroit où il avait parqué son véhicule. Et c'est alors...
Non, ne te dérange pas. J'ai en possession du contrat, je suis en route vers toi. J'arrive, d'accord. Merci beaucoup. Jésus! Crevaison? Hein? Oh mon Dieu! Excusez-moi, monsieur, vous paraissez inquiet. Et c'est quoi le problème? Oui, c'est juste que mon pneu est troué et je ne sais pas quoi faire avec. Oui. Oh là 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 là, ça c'est très dangereux. Alors, que comptez-vous faire? Je ne sais pas vraiment, mais je crois que je dois appeler mon mécanicien. Non, 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 vous ne pouvez pas attendre jusqu'à l'appeler. En fait, cherchez juste un mécanicien, il pourra facilement le faire. Je crois que tu as raison. Et je pense que j'avais vu un réparateur juste quelque part après le coin là, à droite, oui. Juste après c'est quoi? Oui. Tu es sûr? Merci énormément. Je t'en prie, monsieur. Merci, merci énormément, merci. Ça, c'est un travail de professionnel. Tu sais quoi? Tu es bon. Exactement. Tu es vraiment très bon. Oui, tu as vraiment raison. Ça, c'est tout ce dont j'avais besoin. Alors maintenant, je vais me battre pour mon royaume. Bien. Bon travail. Allez, prends. Mets la main. C'est très bien fait. Écoutez les garçons, il y a une très grande guerre qui se prépare. Et les gens à qui nous avons affaire sont imprévisiblement dangereux. Pouvez-vous imaginer que le testament de mon père a mystérieusement disparu dans la mallette de l'avocat? Oui. Et maintenant je ne sais pas qui en est les responsables parce que tout le monde paraît innocent. Et ils sont même prêts à faire plus que ça. Voilà pourquoi je suis ici, pour préparer votre morale. Vous devez être aux aguets, et tout peut arriver à n'importe quel moment. Je veux que vous soyez armés jusqu'aux dents. Alors, nous surveillons vos arrières. Je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec vous, les garçons. Je suis de cœur, mon pote. Je suis de cœur. Mon fils, tu parles de Junior? Mais bien sûr, Junior. Il était dans la chambre. Oh mon Dieu, il n'est pas là. Oh mon Dieu, Junior, Junior. Alors, c'est vrai. C'est à cause de cet enfant que cette fou est encore ici.
Alors, si l'enfant disparaît, elle devait quitter cet endroit. Grande sœur, qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne m'adresse pas à toi. Faber. Grande sœur. Faber. Grande sœur, oublie, ce n'est rien du tout. Junior? Quelle inefficience! À quoi consiste votre devoir? Qu'est-ce que vous avez comme devoir dans ce palais? Au point que les vies des membres de ce palais soient mises en danger? Oui ou non? Vous étiez en garde la nuit dernière. Vous avez monté la garde la nuit dernière? Et quelqu'un est sorti de nulle part pour venir prendre un petit garçon? Non, oh non, je vous jure que personne n'est entré ici. Est-ce que tu veux la boucler? Je vais jurer. Qu'est-ce que tu vas jurer? Tu es beaucoup trop stupide pour jurer. C'est bien de jurer que personne n'a dû entrer ici. Alors ce petit garçon a volé de ses propres ailes? Alors écoutez, je vous accorde 24 heures. Si vous n'arrivez pas à trouver ce petit dans les 24 prochaines heures, je vous brûlerai vif. Vous ne vous en sortirez pas. Je vous le promets. Regardez-moi cette travailleuse incompétente. Regardez-moi les yeux. Quittez, allez-vous-en. Allez-vous-en. Et puis je vous dis, allez-vous-en. Vous avez 24 heures. Vous les trouvez normal que quelqu'un vienne kidnapper la valeur que vous êtes là? Comment vais-je lui prendre maintenant? Oh non. De quoi est-ce que tu parles? Es-tu en train d'insinuer que nous sommes les responsables de la disparition de l'enfant de Len? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il n'y a aucune façon pour un chien de clamer son innocence autour de la disparition de la viande juste à ses côtés. Mais il est normal pour ce même chien de venir dire à son propriétaire pêcheur qu'il y a du poisson là dans le filet. Vous ne pouvez pas clamer votre innocence autour de la disparition de cet enfant. Oh non. Il serait mieux que tu nous dises clairement que tu es en train de nous suspecter. Oui. Et si vous ne faites rien le plus rapidement possible, je vous promets que la police viendra enquêter dessus. Et qui a peur de la police? Ok, n'avez-vous pas peur de la police? Non. Alors, quand ils viendront? Sois la bienvenue. Encore juste un petit geste, vous allez voir.
comment je veux repeindre cette maison avec votre sang. Où est mon fils? Toi et tes stupides enfants n'allez pas me dire que vous ne savez pas où se trouve mon fils. Où est-il? Honnêtement, je ne sais pas où se trouve ton fils. Honnêtement, je n'en sais rien. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Je vous donne 24 heures si mon fils ne rentre pas. Vous allez voir ce que je veux faire dans ces palais. Je vous ai donné ma parole. Et toi? Je t'ai à l'œil. Laisse-moi passer. Hey, mon Dieu, Igwamburu Mago. Sylvestre. Grand frère. Je te pose la question pour la dernière fois. As-tu une main mise dans la disparition de l'enfant d'Hélène? Grand frère, je te réponds une fois de plus que je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien, grand frère. S'il te plaît, je t'en supplie, n'ose pas t'impliquer dans cette affaire. De tout ce qui peut arriver à ces petits garçons, s'il te plaît. M'as-tu entendu? Oui. C'est bien. Mon Dieu, qu'est-ce que tu leur as fait de mal, hein? Qui sait s'ils l'ont déjà tué? Non, je crois qu'il est encore en vie. Ok? Et tant qu'il sera encore en vie, j'irai les chercher où ils le retiennent en otage et les ramener à la maison. Amon, comment ça sera possible? Comment va se faire ce que tu nous dis là? Essaie juste de te calmer, Félicia. C'est ce que je fais, ok? Un appel anonyme. Vas-y, réponds. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Oui. Ok. Très bien. Mais combien? Bien. Je me mets en chemin tout de suite. Non, pas de sécurité, pas de police. Oui. Merci. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont mon fils. Et ils me demandent d'apporter 5 millions de naira. Ils m'ont dit de venir à côté du stade. Ça se trouve où? Je connais l'endroit, mais tu dois d'abord te calmer. Bon, écoute, hein? Je pars d'abord à la banque pour retirer l'argent, ok? Non. Écoutez d'abord, calmez-vous, madame, ok? Félicia, accompagne-moi là-bas. Je vais gérer cette situation. Oui, ça sera bien. Reste en dehors de ça, ok? Je ne voudrais pas que tu gâches tout. Sache que cet argent ne représente rien pour moi. Je vais aller chercher mon fils et rien ne peut m'arrêter, s'il vous plaît, ok? Madame. Je te reste en dehors de ça. Ma chérie, on y va. Écoute, merci beaucoup. Merci pour aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Madame, vous n'avez pas à me remercier. J'étais juste en train de faire mon boulot. Non, je dois te remercier. Je veux dire, sans toi, mon fils ne serait pas là aujourd'hui. Merci. C'est bon alors, je vous en prie, madame. Comment l'as-tu fait? Je savais l'endroit où se trouvaient toutes les personnes responsables. Ceux-là qui étaient en train de poursuivre la vie de ton fils. Alors
Je suis allé là-bas avant que vous preniez ma place, avant que vous arriviez. C'était un mouvement très intelligent. Madame, mais je dois vous conseiller, vous devez être très vigilante parce que la vie de votre fils est en danger. Oui, personnellement, je pourrais te dire de me donner l'enfant, d'aller vivre avec lui parce que cette maison n'est plus sécurisante pour lui. Non, non, j'ai toujours besoin de lui. Je trouve qu'il va bien, tu vois. À cet instant de sa vie? Et si tu le perds? Oui, mais je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas du tout le perdre. Il va bien. Il doit rester ici et je vais veiller sur lui. Non, mais vous êtes enfoiré, le gars. Vous n'êtes qu'une bande de losers, voilà ce que vous êtes. Juste une petite tâche. Juste éteindre le petit garçon, vous n'y êtes pas parvenu. Même avoir ce contrôle, jamais. Du n'importe quoi. Non, mais taisez-vous. Je sais comment résoudre votre situation, attendez. N'importe quoi. Tu peux te considérer toi-même comme étant l'homme le plus chanceux sur la terre. Là, je te le rassure. Si tu avais réussi à tuer cet enfant, j'allais te montrer mon côté le plus négatif. Je t'avais formellement interdit de ne pas toucher ces petits garçons et tu m'as désobéi. Tu es arrivé jusqu'au point de bafouer mes ordres. Ça va, on verra. Mais, grand frère, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pitoyable. Oh non, ça me fait chier. J'avais entendu que les kidnappeurs avaient tenté de tuer les garçons. C'est vrai? Oui, maman. C'est ce que j'ai entendu et je vous ai dit. Comment est-ce que ces garçons ont pu s'échapper? Je ne sais pas où. C'est une partie de l'histoire qu'elle ne voulait pas dire à tout le monde. Je suis sûre qu'elle a fait quelque chose pour sauver la vie de son fils. Elle fera la pire des erreurs si elle pense que tout est fini, parce que le pire est en train de venir. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, n'importe quelle chose peut arriver. Tu ne sais même pas si demain tu te réveilleras. Faveur! Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais rassure-toi de ne pas planifier ce qui n'est pas bon pour ces petits garçons. M'as-tu entendu? Maman, cela n'est surtout pas pour moi. C'est pour des gens qui sont derrière sa vie. Ils ne vont pas s'arrêter, tu sais. Je suis sûre qu'ils vont adopter d'autres stratégies. J'ai dit rassure-toi de ne pas être dedans. À vos ordres, madame. Je suis d'accord, grand frère. J'ai reconnu avoir désobéi à tes ordres dans un premier temps. Mais je vais être considéré comme quelqu'un de raisonnable. Entrer en possession de ces garçons est l'unique façon pour nous de pouvoir contrôler et sa maman. Crois-moi quand je te dis que cette femme est capable de tout nous faire pour que nous n'y accédions pas. Et je suis vraiment convaincu que c'est elle qui est à la base de la disparition du testament de notre papa que possédait l'avocat. Si nous ne nous protégeons pas, nous risquons de jouer son jeu. Car elle est vraiment désespérée. Je sais qu'il est désespéré, mais qu'est-ce que c'est? Rien. Marraine, il y a le feu ici. Quoi? Que veux-tu dire? Marraine, la vie de Junior est en danger. Mais attends, pourquoi tu dis ça? Tu as entendu quelqu'un dire quelque chose? Oui, marraine, je juste... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais mon Dieu, c'est quoi? Oh!
Quelqu'un! Quelqu'un va m'aider! Nous sommes désolés, nos dames. Nous comprenons que vous ayez tous mal. Vos réactions, nous les comprenons. En fait, tout le monde à votre place réagira de cette façon. Mais s'il vous plaît, nous vous supplions pour l'amour de Dieu, ne partez pas. Nous vous promettons alors de tout remettre en ordre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Naï. On ne peut pas vous désobéir, mais on ne peut pas rester ici. Nos vies dans cette maison n'est plus en sécurité. Non, mais bon sang. Nous devons partir. Ne partez pas. Écoutez, nous allons vous garantir quelque chose, d'accord? Et ça, l'user sur nos lèvres, que tout le monde qui est derrière cet acte ignoble ne sera jamais laissé libre. Oui. Homme, femme, petit et grand, tout celui qui a une même mise sera mis en prison. Ne partez pas. Nous allons tout remettre en ordre comme je vous l'ai promis tantôt. Et s'il vous plaît, ne partez pas. Restez. Nous allons tout remettre en ordre, d'accord? Assieds-toi. Asseyez-vous. On va tout faire en ordre, d'accord? Gardez, prenez soin de vous. Mon Dieu, tu veux dire que c'est ce qui se passe au palais maintenant? C'est ça. C'est donc du chaud alors. C'est maintenant ça le drame qui se passe ici. Voilà tout. Et maintenant, cet endroit est devenu très dangereux pour que mon fils continue d'y rester. Alors, j'ai décidé que tu l'apportes avec toi. Je ne peux pas continuer à mettre sa vie en danger. Je ne veux vraiment pas que cela se répète encore. Ma chère, tu n'as pas du tout à t'inquiéter, ok? Ton fils sera protégé avec moi. Je suis contente que tu aies changé d'avis. Oh, ma chère, merci beaucoup. Merci. Oh, de rien. De rien, ma chérie. Tu sais, ce que je peux te dire, j'ai quitté Londres pour revenir ici, pour trouver le meilleur pour mon fils. Je veux dire, il ne peut pas être appelé bâtard pendant qu'il a un père. Oui. Et aussi, mes parents n'ont jamais approuvé que je vienne ici. Et pendant que je quittais, je les ai promis que tout ira bien. Et à chaque fois qu'ils cherchent à savoir comment je me porte, je ne fais que leur tromper sur toute la ligne. Je ne fais que couvrir mes mensonges. Je ne fais que leur dire, voilà, je vais bien, nous allons bien, tout est en ordre. Et par-dessus tout, je ne voudrais pas quand même risquer la vie de mon fils. Mes parents ne vont jamais. Alors jamais me pardonner. Si les choses tournent mal avec Junior. Junior est ma vie. J'aime ces petits garçons de tout mon pouvoir. Et s'il te plaît, bébé, fais-les pour moi. Comme je le dis, t'inquiète, ton fils ira très bien avec moi. Viens, mon bébé. Ok. Alors, maman va effectuer un petit voyage et toi, tu vas rester avec tantine qui est là. Tu sais qu'elle est vraiment gentille. Ok. Voilà, tu vas rester avec elle. Elle prendra très bien soin de toi le temps que tu reviennes. Ok. Oui, maman. Maman va te manquer. Oui. Es-tu sûre? Oui. Allez, fais-moi un bisou ici. Très bien. Un très bon garçon. Bon, bébé. Tu t'inquiètes beaucoup pour ton fils et alors pour toi-même. Non, ma chérie, j'irai mieux. T'inquiète pas. Mon point faible dans ces combats, c'était mon fils. Maintenant, je suis prête à montrer mes griffes. Et maintenant, je veux leur montrer de quoi est-ce que je suis capable. Oui, je le ferai.
Honnêtement parlant, je n'arrive pas à comprendre tout ce que tu es en train de dire. Oh non, ne dis pas que tu ne comprends pas ce que je dis parce que j'ai été très claire. Si tel était le cas, je t'aurais compris. Écoute, ne pense pas que je pourrais sentir la mauvaise odeur qu'il y a dans ton intestin ou ton estomac. C'est quand ça pourra sortir que tu pourras penser que je peux sentir cela. Oh non, ne joue pas l'intelligent avec moi. Ne sois pas intelligent. C'est ce que tu dis. Et je ne le fais pas malheureusement, je suis franc avec toi. De quoi parles-tu? Oh non, tu m'avais fait une promesse. Tu m'avais dit que tu allais te rassurer à ce que ces gens quittent ce palais. Qu'est-ce qui te retient à le faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Imagine la peine qu'ils causent à ma propre famille et aussi à tout le royaume. Qu'est-ce que tu attends? Chasse le juste, il ne faut pas partir de cette famille. Quelle preuve cherches-tu encore? Oui, ma reine, il est vrai que je n'ai pas respecté cette promesse. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est un processus. Arrête cette bêtise. Arrête cette histoire stupide. Nous avions fait un deal. Tu dois réaliser cette promesse. Bon, d'accord. Nous allons y travailler, d'accord? Oh non. Nous y travaillerons. Je sais que l'un d'entre vous sait qui a kidnappé ma mère. Qui parmi vous? Les Ivoiriens. Pardon. Pardon. Ferme. Ferme. Tu la fermes. Ferme. Ferme. Idiot. Ferme-la. Tu la fermes. Parce que je sais. Je sais que de vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Toi, tu vas voir quelqu'un qui vous a chargé de cette mission ici au palais. Pour kidnapper une telle maman comme celle-là. Vous tous, vous êtes dans cette complicité. L'un après l'autre. Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas? Je sais comment traiter les malfaiteurs et criminels comme vous. Tu ne veux pas parler, tu dis? Idiot. Qu'est-ce que tu veux? Hélène, où est passée ma maman? Tu es devenu fou pour me poser cette question. Je vais te montrer ce que c'est exactement la folie si je ne vois pas ma maman maintenant. J'espère que tu blagues maintenant parce que je ne sais rien à propos de ta mère. Je ne suis pas comme toi qui n'as rien d'autre à faire que la criminalité. Je suis très occupée. J'ai beaucoup à faire avec mon temps. N'ose pas croire même pendant une seconde que j'ignore que c'est toi qui avais enlevé mon fils et que tu as tenté de l'assassiner. Je le sais très bien que c'est toi. Voilà pourquoi tu as orchestré la disparition de ma maman, c'est ça? Ah, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Hélène, j'espère que rien n'arrivera à ma maman. Laisse-moi t'avertir, fils. Tu aimes ta mère et tu veux encore la voir? Tu n'as qu'à sortir ici et aller la chercher. Ne reste pas pointé là devant moi comme si je savais quelque chose. Je suis innocente. Va te faire voir ailleurs. Sens-toi calme de pouvoir toujours m'insulter. Mais pour ton propre bien, j'espère que maman est en bonne santé. Comme je le dis, tu ferais mieux de commencer à la chercher.
Et essaye de faire vite. Parce que ce que tu ne sais pas, et que nous le savons, elle peut déjà être mourante. Ou non? Pardon, inspecteur. Pardon, fais tout ce que tu peux faire. S'il te plaît, de retrouver notre maman et celui qui l'a kidnappée. S'il te plaît, tu auras une récompense, s'il te plaît. Mon prince, vous n'avez rien à vous inquiéter. Nous trouverons le meurtrier. Nous allons bientôt commencer les enquêtes. Et je vous promets que nous allons trouver un bon résultat. Merci, merci. Je vous en prie. Avez-vous quelqu'un que vous suspectez? Comme ça, ça va nous donner l'idée d'une enquête. Inspecteur, tout le monde est suspect. Je dis bien tout le monde, tout ce qui respire dans cette maison est suspect. Les servantes, les gardes, les chèvres, les chiens, tout le monde est suspect. Ils sont tous impliqués dans cette affaire. Je vois. Merci beaucoup pour votre assistance. D'ailleurs, je sais quoi faire. Je dois m'en aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Pas de problème. Merci. Maman, as-tu déjà parlé avec elle? Non. Et alors toi? Elle ne se connecte pas. Et son téléphone est éteint. Qu'est-ce que ça signifie? Maman, sérieusement, je suis confuse. Je ne sais pas. Comment elle peut quitter la maison le matin pour le shopping et ne revient pas jusqu'à présent? Si elle est partie pour visiter une amie, c'est normal. Mais pourquoi pas nous dire qu'elle devrait... je sais pas. Pourquoi éteindre les téléphones? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Je peux pas croire que c'est toi qui fais ça. Pourquoi tu me fais ça? Hein? Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? Tu sais, s'il y a quelque chose de mieux que tu dois faire, c'est de fermer ta bouche. N'essaye pas de m'énerver. Où étais-tu? Où étais-tu pendant que ton criminel de fils a enlevé et a essayé de tuer mon fils? Où étais-tu? Ne me dis pas que cela t'a inquiété. Je n'ai jamais su à propos de ça. Je le dis. Ferme ta bouche. À quoi tu pensais? Je veux dire,
qu'est-ce que ton fils pensait? Tu pensais que tu pouvais t'échapper juste comme ça? C'est ça? Ou encore, j'allais le laisser s'en sortir comme ça? C'est ce que j'essaye de faire. Je vais t'apprendre de ne jamais laisser vos enfants menacer quelqu'un comme moi. Tu as essayé de faire avec tes enfants quelque chose de stupide. Et moi aussi, je vais essayer de faire quelque chose de stupide. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends que maintenant tu es devenu raisonnable. Vraiment, félicitations. Bien. Premièrement, c'est simple. J'ai besoin des garanties. Juste la garantie de ma vie et de mon fils. C'est tout. C'est simple. C'est tout ce que je veux. Oui, je peux te garantir ça. Écoutez-la parler. Ouais, tu as quand même bien parlé. Mais ce n'est pas du tout bien. Et ce n'est pas à toi de prendre la décision. À ce stade, ce sont à eux d'en prendre une. Permets-moi alors de parler avec eux. Non. Oh, tu sais quoi? Je ne pense pas que tu les verras encore. Non. Ou encore eux de te revoir encore à nouveau. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en prie. Ne me laisse pas dans cet endroit. Je n'ai rien fait et je ne sais rien. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne me laisse pas ici, je t'en prie. Mon Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi. Ça suffit toutes ces bêtises. Beaucoup d'atrocités se passent ici au palais. Le vol, les assassinats, le kidnapping. Et tout un chacun de vous réclame être innocent. Si ce ne sont pas le membre de cette royauté, qui d'autre? Qui d'autre? Naya Chebe, la personne à qui tu devais poser cette question est assise là-bas. Elle est juste là devant toi. Oui, elle est responsable de la disparition de ma maman. Possiblement responsable de la disparition de la servante. Excuse-moi, monsieur. Ça va dans ta tête? Est-ce que tout va bien dans ta tête? S'il te plaît, n'arrête de faire l'ironie. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu sais quoi? Que ça soit la dernière fois que tu oses ta voix pour appeler mon nom. Et au cas contraire, que me feras-tu? Oh, ça suffit, mets-toi. Calme-toi, c'est fini. Je suis déjà fatigué de tout ceci. J'en ai certainement marre. Donc ça signifie qu'on n'a plus de respect envers les aînés. Vous pouvez le voir, aucun respect. Que signifie tout ceci? Donc les anciens de notre royaume ne sont plus respectés? Hein? Répondez à ma question. Il y a déjà du feu qui brûle. Au lieu de l'éteindre, vous l'enflammez encore. J'en ai assez. Assez. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous nous attardons toujours à parler sur ce sujet. Nous avons tous appris le message qui nous a été adressé juste hier par les royaumes voisins. Nous demandons de résoudre tous nos différends familiaux. Et je pense vous l'avoir déjà dit, le plus tôt que la vérité serait connue, serait le meilleur. Je veux aussi plaider auprès de quiconque
qui est responsable de ce kidnapping, que s'il vous plaît, relâchez-les. Pas seulement ça. Même les testaments. Je crois que c'est entre les mains de l'un d'entre eux. Il faut les restituer. Ma princesse, tu y as raison. Le testament est aussi très important. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire à cet instant de pointer particulièrement quelqu'un et l'accuser de tous ses actes. Mais je crois que la personne se connaît très bien. Essayons un peu d'être honnête. Nous pouvons conclure tout ceci comme un acte d'ignorance et particulièrement à ces moments de la paix. Non, la grande question est, soutenons-nous tous cette initiative de paix? Oui. Ok. Vous savez pourquoi est-ce que je demande? Et moi qui suis la cible ici? Parce que je ne sais pas qui est prêt à me mettre en dehors de cet endroit. Je ne sais pas encore. Parce qu'il n'y a pas longtemps, mon fils a été kidnappé et on voulait presque le tuer. Et si elle était morte, je ne sais pas si on serait ici en train de parler de ces bêtises. Mais si tout le monde veut la paix, alors il n'y a pas de problème. Je les testaments. Et aussi, leur maman. Et pour ma fille... Oui, 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 ma sœur, ma sœur. Je n'ai rien à voir avec ta fille. Alors, c'est qui, ce n'est pas toi? Mais je ne sais pas. Hein? Bienvenue, chère princesse. Toi, ma très belle demi-sœur. Tout ceci était supposé prendre fin aujourd'hui, maintenant et ici. Mais pour l'amour du Très-Haut, je me suis décidé de te laisser partir. Tu es chanceuse, mais avec une grande restriction. Je veux que personne ne sache que moi, Sly, connais quelque chose sur tout ceci. M'as-tu compris? Tu es un connard. Merci. Tigre, laisse-la partir. Oui, boss. Ma princesse, je crois que nous sommes maintenant arrivés au moment. Tu es un salaud. Il serait mieux que... Maître, comme tu peux le constater, nous sommes tous maintenant en paix. Nous avons réglé nos différends. Voilà pourquoi tu as entre tes mains le testament qui a été perdu. Bien. Comme vous pouvez le voir, ces documents. Ça a été ouvert, alors je n'ai plus le nom. Il y avait une autre copie. Je veux dire l'original de celle-là.
et c'est ce que je vais lire. C'est la copie originale? Oui. Ok, vas-y. Je lis. C'est le dernier souhait, le testament de Igwe Itke Uzuruma. Les trois membres de ma famille biologique et ma propriété, je laissais 3 milliards de naira en cash. 6 milliards de naira de biens, inclus des entreprises de textiles. Et 6 domaines, 15 automobiles et 14 supermarchés. Lorsque je mourrai, ça revient à mon fils aîné. C'est lui qui sera aussi l'héritier de mon trône. Roy Ike. Excuse-moi. Dès à présent, tu dois t'adresser à moi avec respect, ok? Tu mens! Non, je ne peux plus encore tolérer ces bêtises. Calmez-vous, messieurs. Ok? On se calme. Tu dois contrôler ta langue avant de dire quoi que ce soit. Tu n'as rien à me dire. Tu me dois du respect en tant que l'aîné de la famille, ok? Calmez-vous. Tu le sais très bien que toi, dès que tu es là, s'il te plaît, tu ne mérites rien dans cette maison plus que moi, ok? Ok? Sachez que tu n'as rien à me dire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Réjouissez-vous de ces petits moments que vous avez. Je reviens. S'il vous plaît. Ça, ce sont de bêtises. Oh, mon cher, félicitations, grand frère. Félicitations. On a gagné la bataille. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est le moment de célébrer. Je pense que nous l'avons mérité. Tu as vraiment raison, grand frère. Honnêtement, mes fils, je ne pouvais pas y croire. Nous devons apporter la paix dans notre famille. Tu as raison. Très bientôt. On va bientôt t'appeler Igwe. Regarde-moi. Oh mon Dieu. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Oui, tous les temps que j'étais ici, mon esprit n'était pas tranquille. J'avais peur que ton père ne t'inscrit pas dans son testament. Nous partageons le même sentiment, maman. Mais tous ces gens, ils ne sont pas contents. Ils n'en croient pas. Maman, ils n'ont pas besoin d'y croire. La plus importante chose, c'est que ce testament a été lu en présence de tout le monde. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Vous avez tort. Tous ces biens royaux qui ont été cités ont vu à leur esprit. Vous savez, tous ces anciens tifs, ils ont un second plan. Plan? Oui. Comme quoi? Ôter la royauté dans ma famille à cause de ces manques de paix qui règnent entre nous. Quoi? Tout ceci veut dire que ces gens font partie vraiment de cette famille. Je n'arrive pas à le croire. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça finira ainsi. Mais comment papa pouvait cacher cela à maman? Maman a dit que papa ne lui a jamais dit cela. Va faire écoute. La vérité est que papa avait beaucoup de secrets. Et il était même imprévisible. Et un vrai coureur de jupons. Oui, ça c'est l'histoire. Cela veut dire que tu crois à ce testament? Hey! Pourquoi pas? Mais c'est déjà arrivé, qu'est-ce que je vais faire?
Quelque chose doit être fait concernant toutes ces bêtises. Comment est-ce que Igwe pouvait laisser ce genre de testament? Est-ce que cela signifie que mon rêve n'avait aucun sens? Non, non. Je peux toujours le perturber. Je peux toujours exploiter la crise au palais à mon avantage. Et voilà un peu. Igamwa la marumere. Igwe amu amrumara mire. Mon prince? Oui. Je te dis tout ceci à cause de l'amour que je porte pour cette famille et pour toi en particulier. J'aimerais te voir te mettre sur ce trône comme le prochain roi de ce royaume. Mais j'ai peur. Tu vas le perdre si nous ne prenons pas soin. Pourquoi? Mon prince, sais-tu qui veut à tout prix se mettre sur ce trône? Oh non. Oui, bien sûr. Il est en train de convaincre les anciens. Utilisons le problème que vous avez dans la famille pour convaincre les anciens. Leur disons que tu n'es pas capable de diriger cette communauté, ce royaume. S'il est arrivé jusqu'à ce point d'essayer de nous convaincre, d'aller jusqu'où est garder le corps de ton père. Oui, et ça pour te frustrer de ne pas être couronné le roi. Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Mon prince, tu dois jouer avec l'intelligence. Alors je suggère que nous prenions le corps de ton père et que nous la gardions en ta possession. Et donc en ne nous laissant aucun autre choix que de n'écouter que toi. Et nous allons progresser pour te couronner le roi avant que ton père ne soit enterré. Oui, oui. Mais cela n'est pas possible. Je veux dire, cela sera contre la tradition de notre peuple. On ne peut pas me couronner roi avant que mon père soit enterré. Oh, ne t'inquiète pas sur toi, Popotza. Qui d'autre sont les gardiens de la tradition et de la culture dans cette communauté si ce n'est pas nous? Il suffit juste que tu fasses ta part et que tu nous laisses les restes. Ok. Fais ta part. Et laisse-nous faire le reste. Merci beaucoup. Merci, mon prince. Tout ira mieux. Je pense que Chifa a raison. Tu vois, c'est la meilleure solution. Oui, ça c'est une bonne idée. Mais ces corps n'étaient pas déposés à mon nom. Mais en tant qu'héritier du trône, Je pense nous devons régulariser les problèmes de ces corps. Nous allons déplacer les corps de cette morgue vers un endroit privé où ça sera complètement à notre contrôle. Faisons-les demain, ok? Compris. Stop! Arrêtez!
vous osez bouger en frappe dessus. Allez, avancez de l'autre côté. On y va. Avancez. Ouvrez le véhicule. Alors bougez. Bougez. Bougez vite. Rapidement. Rapidement. Par ici. N'ose même pas désobéir, sinon tu verras. Ici. Par terre. Par terre. Allez, couchez-vous. Je dis par terre. Je dis par terre, par terre. Par terre. Dieu. Ce n'est pas possible. Quoi? 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 Quoi ça? Ce n'est pas possible. Oui. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un cercueil? Oui, le cercueil du roi. Hein? Mais comment sais-tu que c'est Qu'est-ce le cercueil que du roi? Je suis en train de penser. Parce que le corps du roi n'avait pas été incinéré. Voilà, ça a été gardé dans le cercueil. Eh mon Dieu. Quoi? Et attends. Ujo, je m'en vais. Ujo, je m'en vais. Ujo, attends. Ujo, attends, non, attends. Emeka, peux-tu entendre ce que tu dis? Que nous deux devrions aller voler ces cadavres. Que nous ne savons même pas comment c'est arrivé à cet endroit. Hein? Je n'irai nulle part où. Tu n'iras nulle part? Cette histoire va nous rapporter beaucoup d'argent. Pour ceux qui seront concernés, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que tu sais combien ça va nous rapporter? Écoute, si on vole les cercueils maintenant, hein? N'importe quelle somme qu'on demandera à la famille pour la rançon, ils vont payer. Tu sais pas? Emeka, tu as raison. Mais ma crainte, c'est que ces cadavres peuvent être animés. Ils peuvent être animés. Pourquoi tu t'inquiètes? Je te dis,
Tu as fait quelque chose de mal. D'ailleurs, on va rendre service à la famille. Et les morts n'ont pas les pouvoirs contre le vivant. Tu sais pas. Je te crois, Emeka. Je te crois. Mais nous deux seulement ne pouvons pas porter ces cadavres. Il faut qu'une autre personne vienne nous aider. Que penses-tu? Oui, tu as raison. Oui, c'est ce qu'il nous faut. On ne pourra même pas soulever cela. Tu as vraiment raison. Nous ne pouvons pas les porter. Il nous faut de l'aide. Il nous faut vraiment de l'aide. Les anciens, je vous ai invités pour vous informer que les corps de mon père étaient forcément pris de mon véhicule cet après-midi. Qui a organisé ces coups? Attends. Premièrement, comment est-ce que le corps de ton père s'est retrouvé dans le coffre de ton véhicule? Nous avons eu l'information. Il y a un sujet qui cherche à prendre les corps dans la morgue pour désorganiser toute la famille ainsi que les royaumes. Mais pourquoi n'avez-vous pas informé les anciens avant que vous fassiez pareil? C'était urgent. Quand nous avons eu l'information, directement nous sommes allés. Alors, ils nous ont attaqués sur le chemin. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le royaume? Chaque jour qui passe, il y a toujours un problème qui se passe dans ces villages. Tu es vraiment sûr de ça? Honnêtement, je crois que vous avez déjà tout appris. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment terrible. Est-ce que cela est-il possible? Ma chère, c'est très possible. Parce que cet homme est vraiment un occultiste. N'est-ce pas toi qui m'avais dit que les occultistes étaient venus au palais ce jour-là? Vraiment? Ma chère, ils sont très puissants et ils peuvent faire des choses horribles. Même pendant qu'ils sont décédés? C'est comme ça qu'ils manifestent leur pouvoir. Surtout dans ces genres de cas où leur corps est encore à la morgue. Oh, arrête un peu avec ces histoires. Vos croyances-là, des histoires africaines, franchement, moi je ne crois pas à ça. Et toi, tu dois arrêter avec ça, ce n'est pas bien. Madame, vous feriez mieux de croire à ça, ok? Car je viens d'être moi-même témoin. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est retourné à la mort? Non. Je ne crois pas que ce soit possible. Alors, qu'est-ce qui est possible? Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire actuellement. Écoute. Tu dois aller le retrouver. Oui, le retrouver. Le retrouver avant que ce bâtard le fasse à votre place. Retrouve-le. Tu as intérêt. Mais sérieusement, mes gars, je crois toujours que nous devons être prêts à quoi que ce soit et à toute éventualité. Sérieusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez-moi celui-ci. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Attends. Tu penses que tu vas juste appeler ces gens et leur dire que tu as le cadavre en ta possession? Ils venaient vous attendre qu'ils amènent de l'argent, la somme que vous allez leur demander. Vous pensez que c'est si facile? Ces garçons étaient fous. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils n'amèneront pas cet argent? Un cadavre est déclaré en disparition. Un cadavre d'un homme de tel rang. Et sache que le royaume entier, même pas les membres de sa famille, tout le monde serait capable de payer le montant que nous allons demander. Quoi que ce soit, écoutez-moi très bien. Je continue de dire que nous devons être très prudents. J'ai dit tout ça pour essayer d'éviter de nous impliquer au... Rappelez-vous, la nouvelle s'est répandue que c'était des criminels qui l'ont ravi auprès des enfants du roi. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour ces gens-là. Écoutez, le gars, c'est d'ailleurs mieux que ce soit comme ça. Hein? Je vous dis, c'est mieux que ça reste comme ça. Voilà c'est pourquoi ça. Je t'aime. Ah, mon cher, tu es félicitations. Oui, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Non, attends, tu dis quoi, nous trois? Attends. Non, attends. Parce que vous savez, c'est quelque chose qui demande à ce que nous... Attendez, les gars, c'est combien d'abord? Parlons du montant. Oui. 500 000 naira. Je crois que ça va, non? Udo, je suis vraiment déçu de toi, mon cher ami. Avec mais regardez-moi celui-ci. Ça, tu veux rester pauvre pour toute ta vie, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu vois celui-ci? Udo, s'il te plaît. Dis-moi ce que je vais entendre, s'il te oui, plaît. Oui, vous deux, allez-y. En fait, le gars, écoutez-moi un peu. Vous savez, ce qu'on a là dans cette chambre, tout là, c'est des millions de naira. Mm-hmm. Donc, il est mieux que nous commencions à réfléchir en termes de millions. Et moi, je pense que
on peut facturer à 20 millions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Tu n'as pas entendu? 20 millions. Dans ces villages même. Regardez, 20 millions c'est très peu d'argent. Hein? Et c'est très peu. Mais les amis, si vous me demandez, je vous conseillerais de parler de 50 millionnaires. Hey! Je pense que tu as raison, Chika. On aura, écoutez, 5, 5, 5. On sera de millionnaires. Tu as vraiment raison, mon ami, c'est ça. Vous êtes les gars sûrs. Mais est-ce que c'est possible qu'ils amènent ça? Pourquoi donc? Mais essayez de me faire comprendre, non? Qu'est-ce que vous dites? Le gars, attendez un peu. Il y a une chose que je me demande. Comment est-ce qu'on obtiendra le numéro des membres de ça, ce n'est pas un problème, non? Ce n'est même pas un problème. Te rappelles-tu de ma petite amie? Oui, mon cher. Elle est une de ces femmes de Paname. Je suis celui c'est qui contrôle niveau, tout. C'est vraiment calmez-vous. Là, ton vous savez quoi? Je crois que je suis celui qui contrôle tout. Mon gars, tu es... Elle va nous l'apporter. Oui, vraiment. Hein. C'est merveilleux, c'est fini. Bravo, c'est fini. Bravo, bravo, mais après, c'est comme si je n'étais que de quoi. Mon cher. Moi, bon à rien. Moi, bon à rien. Non. Il fallait que vous partiez là-bas et que vous ayez ce numéro de téléphone. Et d'ailleurs, je n'irai plus prendre ce contact. On n'a encore rien gagné. Arrête de me demander l'argent. Donc, c'est maintenant par force d'aller récupérer ce contact. Qui peut faire tout ceci? Qui? Personne d'autre qu'Hélène. Hélène? Hélène, comment? Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que tu continues à sous-estimer cette dame. En fait, il te faut combien de temps pour que tu comprennes ce qu'elle est capable de te faire? Et crois-tu maintenant que c'est elle qui t'avait volé le premier testament? Et comment est-ce qu'elle a eu? Comment elle a dû avoir accès dans la chambre de maman pour la kidnapper? Je crois que cette bande travaille pour elle. Tu peux avoir raison, mon frère. Comme toujours. Mais une fois de plus, je demande la permission de finir avec elle avant qu'elle puisse nous nuire. Elle devient très dangereuse. Est-ce que ça ne peut pas être vrai que la reine est responsable de toutes ces manœuvres? Non, non. C'est Hélène. J'en suis sûr, grand frère. Ok, peu importe. Le plus important, c'est de trouver comment est-ce qu'on va retrouver les corps de notre papa, peu importe là où on l'a caché. Laisse-moi le gérer. J'en prendrai soin. C'est comme si tu aimes ça. Hein? T'inquiète, hein? Si je sors, je vais encore t'en chercher plus. Pourquoi tu es calme? Est-ce que tu vas bien? As-tu besoin d'une chose? Le bonbon, le biscuit, le yaourt? D'accord. Fais-moi savoir quand tu voudras, ok? Bon garçon. Oh... Tantine! Arrête-toi là! Oh mon Dieu! Est-ce que comment tu vas bien? Comment sont-ils entrés ici? Laisse-moi faire, ok? Je crois qu'il s'est déjà échappé. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Viens. Tu te mets debout? Viens. J'ai très c'est mal, bon, c'est bon, désolé. Dis. Viens. Viens, je te mets à l'hôpital. Oh, oui, ça... Non. C'est bon. S'il te plaît, lève-toi. Inspecteur, ces corps doivent être retrouvés. Et si tu me demandes de savoir qui est le premier suspect, c'est Hélène. C'est bien elle. Frère, en quoi est-elle suspecte? Pour m'empêcher. Bien sûr, quoi d'autre? Elle veut seulement s'assurer que je n'ai pas l'accès au trône de mon père. Intéressant. Inspecteur, ces anciens ne sont pas contents de cette famille. Ils ne sont pas contents de nous. Et c'est ça ma plus grande crainte. S'il vous plaît, veuillez nous aider. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ferai de mon mieux. Et comme on a un suspect, je ferai en sorte de creuser en profondeur. Merci. Monsieur l'inspecteur, je crois que c'est l'opportunité qu'elle a toujours cherchée. Mais c'est un plan qui sera déjoué. Ils t'ont appelé? Oui. Ces gens qui ont pris le corps de votre père viennent de m'appeler. Ils demandent une somme de 50 000 naira. Oh, maintenant même, qu'est-ce que nous allons faire? Je pars maintenant à la banque. D'accord, non, tu ne pars pas avec moi. Écoute, je pars avec les gardes.
Tu ne les connais pas, moi non plus je ne les connais pas. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur tête. Reste, je pars avec les gardes. Je te verrai un peu plus tard. Bye. C'est bon maman, bon aller. Combien? Combien veux-tu que je te donne pour me faire ce travail? Madame, le problème n'est pas comment retrouver ces cadavres, d'accord? Le problème, c'est comment le faire. Je veux dire, cet homme est un méchant. Vous devriez voir ce qui s'est passé l'autre jour. C'était profondément spirituel. Alors, que veux-tu dire? Que c'est impossible de le faire? C'est exactement comme ça que c'est, madame. Attends, mais fallait me le dire il y a longtemps. Tu m'avais dit que tu vas le faire? Regarde-toi, regarde comment tu as peur comme ça. Madame, vous auriez aussi eu peur si seulement vous étiez là, madame. Je vous dis la vérité. Arrête ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça maintenant. Ne le fais pas. Je veux dire, tu ne sais pas à quel point ce corps est plus important pour moi. Je dois retrouver ça avant que ces idiots ne le fassent. Alors, s'il te plaît, fais de ton mieux, s'il te plaît. Cherche à le retrouver. Peu importe ton prix, dis-moi, je ferai de mon mieux pour te payer. Mais madame, ce n'est pas concernant l'argent, ok? Et c'est à propos de quoi? Quoi? Madame, je souhaite juste que vous compreniez mieux. Voilà l'argent. Hey! Donc c'est juste ça qui va nous procurer de l'argent. Écoute, et donc, des millions pour nous trois? Hey! J'espère juste que ce ne soit pas une blague. Hein. C'est à partir de ça l'argent. Hey, voilà l'argent. Votre Majesté, vous êtes couché là. Donnez aux jeunes de l'argent, non? Donnez aux jeunes de l'argent. Wow. Hey! Mais, écoute, hein. Ne sois pas fâché contre nous, hein. Je sais que tu as bon cœur. Je sais que tu ne vas pas te fâcher. Hey! Votre Majesté, c'est vous qui avez le mot. Donnez aux jeunes de l'argent, sinon nous allons nous éparpiller. Voilà maintenant l'argent, hein. Hey! C'est... Hey! Sa Majesté est là. Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Mais c'était juste là! C'était juste là! Qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste là! Le cercueil était là! Le cercueil était juste là! Oui, juste là! Quoi? C'était juste là! Le gars! Le gars, venez un peu! Venez les gars! Venez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi le problème? C'est parti où? Non. C'est parti où? Qui l'a pris? Voulez-vous blaguer avec moi ou quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Ah! Garde! Hey! Dieu merci, le gars. Hey!
Je savais qu'aujourd'hui on avait tout. Je savais qu'à la bonne heure on allait tout finir. Hey! Oh, Emeka, où est l'argent? Il a récupéré son argent. Mais elle a fait quoi? Il avait récupéré l'argent. La reine avait pas eu son argent. Hey! Tu n'es qu'un bon à rien. Hey! Tu n'es qu'un bon à rien. Tu devrais très bien garder cet argent. Tu devrais le toucher. Hey! Et tu es en train de me dire que. Que tous nos sacrifices, nos plans, toutes les souffrances, partir comme ça, c'est ce que tu veux me demande dire? Demande-lui. Non, demande-lui. C'est mec a jeté en l'air tous mes plans, non? La foudre va s'abattre sur toi. C'est quoi ça finalement? Tu veux assez que je finisse ma vie en prison? Non, ça ne peut pas se faire. Dis-lui, il ira lui-même en prison. Et tu continues de parler. Non, mais regarde-moi celui-ci. Nous parlons d'argent et toi tu parles de prison. C'est pourquoi tu as laissé partir cet argent? Laisse-moi te poser la question. Vous deux, si vous voyez ce monsieur apparaître ici, vraiment toi, moi? Tu vas rester là? Je resterai là, je ne vais pas m'enfuir. Je ne m'enfuirai pas. Tu me connais, non, mon cher? Tu me connais. Oui, je sais. Est-ce que m'enfuirai? Tu ne feras pas. Je ne ferai pas, je resterai là. Mais regarde-moi celui-ci. Igwe, pardon. Igwe, pardon, Igwe, Igwe, Igwe. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Igwe. Grand frère, tu vois ce qui arrive là? L'inspecteur n'a pas cette capacité de résoudre cette situation. Et ça me met mal à l'aise. Vraiment. Tu vois? Accordons-leur un peu de temps. Nous ne pouvons pas faire les choses dans la précipitation. Non, et le temps. Nous lui avons suffisamment donné le temps. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Même comme on m'a été kidnappé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mon cher, vraiment, nous devons patienter un peu. Qui es-tu? S'il te plaît, non, ne me fais pas du mal. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, allez, s'il te plaît. Pardon, ne me fais pas du mal. Non, s'il te plaît.
n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Lorsqu'on est arrivé là-bas, on n'a plus vu le cercueil. Es-tu sérieuse? Hey. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu as vu? Tu as vu, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu as vu? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Hein? As-tu vu? Ah! Quoi? Quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ça? Non. Majesté, pardon. La seule personne, pardon, votre majesté, majesté. La seule chose que je t'avais demandé de faire pendant que je mourrais était de retrouver mes enfants majesté, et de les ramener à la maison. Cette situation était beaucoup plus dure que moi. Majesté, pardon, votre majesté. C'est déjà trop tard, car tu as commis beaucoup de dommages. Oui, votre majesté, comme je l'ai dit tantôt, je suis désolé, ne vous irritez pas contre moi. Je suis la seule option qui te reste, c'est de confesser. Allez, prends ça. Tu penses que quoi, hein? Allez, vas-y, ramasse des cartes. Ramasse. Ce n'est pas fini. Montre-moi, qu'est-ce que tu as ramassé? Il y a d'argent. Je n'ai pas gagné. Est-ce que tu gardes tout cet argent? Parce que moi, je surveille bien. Non, ce n'est rien. Dépose 500 naira là. Dépose. Vas-y, dépose cet argent. Moi, je vais déposer 500 naira pour toi. Dépose ça. Un peu de Dieu. Ah, dépose-moi ton argent. Mais mon cher. Attendez d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous jouez mal? Dépose cet argent. Attendez. Vous jouez très mal. Je n'apprécie pas ce jeu. Hein? Oh, c'est pas normal. Tu dois prendre à être conséquent dans ton jeu, mon cher, s'il te plaît. Bon, allez, je donne mon téléphone, engage. D'accord. C'est beaucoup. Mon cher, donne-moi 500, s'il te plaît. Je vous ai dit, non, je n'ai pas d'argent. Prenez juste ça, non? Non, jouons. Mais mon cher, s'il te plaît, non? S'il te plaît. Vous voulez qu'on fasse comment? Jouons. Je t'en supplie, donne-moi 500. Ha ha ha.
Oui, oui, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, oui. À genoux. Bon, entrez dans les véhicules. Allez rapidement, dans les véhicules. Dans les véhicules, sinon on va tirer sur vous. Dans les véhicules, vite. Vite, vite. N'importe quoi. Bandit, vite, dans les véhicules. Dans les véhicules, oui, dans les véhicules. Attendez, c'est fini pour vous. Entrez vite, entrez vite. Entrez vite, entrez vite. Délinquant. À vous tous, j'adresse ces propos. Trouvez une place dans vos cœurs. De me pardonner. Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Merci alors. La lettre qu'il m'avait remise. Il me l'avait remise. Je veux dire à vous tous de rester en paix. Oh non, nous t'avons écouté. Et nous t'assurons que nous continuerons tous à vivre en paix et en harmonie. Aussi, nous t'avons pardonné. Je vous remercie. Oh non. Mon Dieu. Oh non. Vous devez retrouver mon cercueil et m'enterrer en paix. Mais nous ne pouvons pas les trouver. Et nous ne savons ni même pas où les trouver. Nous savons que tu peux nous aider à les trouver. S'il te plaît. Aide-nous à retrouver ces cercueils et nous allons vous enterrer en paix. Nous sommes vraiment désolés de toutes choses. Bonjour à tous. Je suis Sylvestre Otumba. Monsieur, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Kibike Fumba. Non, mais tu me fais chier de quoi tu me parles. De quoi me parlais-tu? Comment oses-tu me dire de tels propos? Comment oses-tu? Officier? Oui, monsieur. Léontin. Monsieur, n'est-ce pas que cet homme est l'un de vos complices? Tu connais cet homme? Sly. Monsieur, tu l'as toujours nié. Pourtant, tu fais partie des criminels. Nous avons retrouvé tes empreintes dans l'arme qui a commis ces crimes. Mon frère. Sly. Mon frère, s'il te plaît, dis même une parole. Mon Dieu. Mon Dieu. Nous avons enterré notre père et je crois que nous l'avons enterré ensemble avec tous nos différends. Nos incompréhensions, tous nos problèmes, nous pouvons vivre une nouvelle vie, en paix et harmonie. Apprenons tous de l'expérience de notre frère, qui n'a aucune valeur pour un pouvoir qui s'obtient par la mort de sang des innocents. Je veux dire, tout ce que Dieu a donné doit rester ainsi.
Je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas de rancune avec quelqu'un. Vous êtes tous ma famille. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Aforevo TV. Enjoy various genres of entertainment programming from the comfort of your home through our satellite-delivered channels in your favorite languages. French, English, Swahili, Twi, Igbo, Hausa, Yoruba, and so on. Aforevo Dubbing Services. With the largest number of dubbing studios in Africa, we can help you dub your videos to major languages in Africa. Swahili, English, French, Yoruba, Hausa, Igbo, Wolof, Zulu, and so on. Aforevo YouTube, the largest YouTube partner in Africa, with over 500 channels of top African entertainment and millions of eyeballs daily, we help thousands of video creators make money on YouTube. Aforevo, the revolution is on.